Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Regardez, même les chats, alors les chats c'est les premiers à voir la vidéo à chaque fois. Oui. Ils sont fans. Alors j'imagine que vous dans votre canapé, si vous nous regardez dans votre canapé, vous êtes comme ça. vous êtes en train de vous regarder comme ça à chaque fois. Bref, allez, c'est pas ça le sujet. Bon, salut à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un prank. Parce que, en fait, non, c'est pas un prank story. Ouais, parce que là, il y a un seul prank. Et franchement, c'est une énorme vengeance. Oui. Parce que Peppa Pink, vous devinerez jamais ce qu'il a fait. Aujourd'hui, c'est samedi. Voilà, je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Peut-être dimanche. Donc, normalement, aujourd'hui, on travaille pas. Lily Rose a pas cours. Oui. Enfin, bref, il se passe rien du tout. Ouais. Et là, il nous a réveillé à 6h du matin. On a dû porter des cartons super lourds. Ouais, on a dû porter les courses et tout, monter tous les étages. On a dû se réveiller à 6h du matin. Tout ça pour qu'ils nous disent à la fin, ah, en fait, ce que vous avez fait, ça sert à rien. Ouais, redescendez tout. C'était juste pour vous faire une blague, en fait. Ouais. Je voulais juste vous réveiller super tôt. Et du coup, là, on va se venger. Regardez ce qu'on a fait. Regardez. On a mis plein de glaçons, là, dans un saladier. On a récupéré plein de glaçons. De notre frigo. Et là, comme par hasard, Peppa Pink, il est parti faire la sieste. Parce que lui, il est fatigué, parce qu'il s'est levé aussi à 6h. Sauf que là, on va profiter qu'il dorme. Et on va lui jeter tous les glaçons sur lui. En plus, vu qu'il fait froid, il va lui jeter tous les glaçons dessus. Regardez. Ouais. Ils sont fans, ils sont déjà fans du prank. Allez, c'est parti. Donc là, on va chuchoter. Ouais. Et je pense, les amis, qu'il va être choqué parce que ça fait des mois et des mois qu'on lui a pas fait de prank. Ouais. Parce qu'à chaque fois, il est ultra en colère. Mais là, c'est pas possible quoi. Nous réveiller à 6h du matin un samedi pour rien en plus. Allez, c'est parti. Allez, vas-y, vas-y. Attends, attends, attends. D'abord, ouais. On lui met un glaçon par un glaçon. Ok, d'accord. Non, les chats. Vas-y, attends. Vas-y, on en prend chacun un. Attends, attends. Vite, vite. Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Ah non. Descends. Allez. Et on n'avait pas pu tout jeter. Ah non. On n'a pas pu tout jeter. Attends. Bon, attends, moi je vais me cacher. Et il faut qu'on pense à lui faire un autre truc aussi. Attends, avant qu'il nous rattrape. Bon, les amis, là c'est que le début. Au début, on avait dit qu'on n'allait pas faire un prank story, mais je pense qu'on va continuer parce que ça se fait vraiment pas en ce moment. Il se croit tout permis. Oh, mais vraiment, c'est vraiment énervant. Il nous a réveillé à 6h un samedi. Ok, bon, ça vous allez vous dire, c'est pas grand chose. Sauf que hier, il a fait semblant de commander des pizzas. Donc au début, on était contents. Et en fait, dans nos assiettes, il nous a mis du riz. Il nous a commandé des pizzas, donc il a commandé des pizzas. Au départ, on se disait, ouais, trop bien et tout, il va y avoir des pizzas. Sauf que le livreur de pizza, il arrive, il y a une seule pizza et il dit, c'est pour moi. Et nous, on a mangé du riz. Et nous, il nous a donné, alors, c'était du riz où il a mis plein de sauces piquantes exprès pour nous embêter. Donc en ce moment, il est infernal. Et c'est quoi ça? De quoi, c'est quoi ça? Pendant que je dormais. Bah, c'est la vengeance. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est la vengeance pour ce matin, là, quand tu t'es réveillé à 6h. Non, c'est la vengeance. Je suis tout... Ah, je suis presque tout mouillé, là. Comment ça, presque tout mouillé? Ouais, bah vas-y, bah tant pis. Et c'est pas fini, je pense. Je vais faire... Ouais, allez, viens. Vous savez ce que je vais faire? Ouais, viens nous expliquer ce que tu vas faire. Tu vas rien faire du tout, là. Si, je vais appeler... Vous savez qui je vais appeler? Non. Je vais appeler grand-père. Comment ça? Non. Si, je vais l'appeler. Non. Je l'appelle au téléphone, il va venir vous garder. Allez, bien fait pour vous. Non. Dans 5 minutes, il est là. Non, s'il te plaît. Non, pas lui. Non, mais les amis, vraiment, notre grand-père, il est horrible, vraiment. Oh, les amis, là, je pense que vous réalisez pas ce qui se passe. Il a appelé notre grand-père, il va appeler notre grand-père. Bon, là, c'est pas possible. Bon. Comment on va les faire amis, en gros, c'est très, très grave parce que notre grand-père, bon, je pense que vous l'avez presque jamais vu en vidéo. Ouais, mais en fait, on l'a montré quelques fois. Il est vraiment... Il est pas très gentil, quoi. Il nous fait plein de pranks. Et quand on est avec lui, on doit se coucher à 19h, on doit se lever à 5h. C'est pas un problème de prank, c'est que il est anti-technologie. Donc ça veut dire qu'il va prendre la télé, il va la mettre dans le jardin, il va la jeter. Il va prendre nos téléphones, il va les jeter. Pour lui, la technologie, ça sert à rien. Ça veut dire que s'il reste une semaine chez nous, on pourra plus faire de vidéos, on pourra plus rien faire avec lui. Bon. Donc là, faut vraiment cacher nos téléphones, hein. Ah non, mais en plus, il arrive super vite parce qu'il habite à côté de chez nous. Bon, moi, je... À chaque fois, je vous jure qu'à chaque fois qu'il vient, on est obligé de s'habiller en costume. On doit super bien s'habiller, on doit cacher nos téléphones, on doit cacher les ordinateurs. Ouais. Sinon, il est ultra en colère et...
Enfin bref. Bon, j'espère qu'il n'est pas arrivé. Je vais ouvrir la porte pour savoir. Oh non! Non, c'est pas déjà lui quand même. Ah oui, c'est vrai. Pour lui, les chats, ça sert à rien et il faut ah soit, soit les virer, soit les donner à quelqu'un d'autre. J'espère vraiment que c'est pas lui. Vas-y, ouvre. Bonjour. Oh non. Bonjour, grand-père. Bonjour. Bonjour. Comment les enfants? Ça va? Oui, et toi? Non, ça va pas parce que t'es là en fait, on t'aime pas. Non, mais c'est papa Pipi. On t'aime bien. On t'adore, on t'adore. Comment ça, tu m'aimes pas? T'inquiète pas, on t'adore. Dépêche-toi, viens ici. Ah mais attends, un grand-père là. Non mais Pépapine qui est parti faire des courses, t'inquiète pas. Oh mon dieu. T'inquiète pas. Ah, t'es encore avec ton téléphone toi? Non mais comment ça, je suis encore avec mon téléphone? Ouais, allez, donne-moi ça. Mais arrête de le prendre. Hop, confisqué. Papy qui m'a... Rends-moi mon téléphone. Il m'a expliqué tout ça. Il va tout prendre dans ta chambre. Non, il n'y a plus rien. Toute cette technologie là. Il est contre la technologie. Tu vas faire des dessins et toi, est-ce que tu vas aller faire du sport? Ça, je vais faire du sport. Ouais. T'as pas vu comment t'es? Au lieu d'embêter ton père, et ça là, c'est quoi ça? C'est pour le chauffage. Non, je m'en fous. La carrière du feu dans la cheminée. Ça parce qu'il y a un écran. Mais non, mais laisse-moi ici ça. Ah non, mais c'est une télécommande. On peut rien faire avec. Toute cette technologie, ça sert à rien. Et puis, vous êtes punis. Apparemment, vous avez jeté des glaçons. Mais on n'a rien fait. Allez. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre là maintenant? Il y a rien. Moi je vais aller. Une télé. Non mais elle marche plus toi. T'as de la chance. Non t'inquiète pas, c'est une fausse télé. C'est une fausse. C'est pour les vidéos. C'est pour l'art plastique. Pourquoi vous avez jeté des glaçons sur Papa Pink? Non t'inquiète pas, tu peux aller dormir. Je vais aller prendre les autres choses moi. Allez. Non mais là, bon les amis, c'est ce que je vous dis, il va vider notre maison de tous les... Il va mettre les télés dehors, il va mettre les téléphones dehors, il est anti-technologie à fond. Comment on va faire, c'est horrible. On a rien à faire. Son téléphone, il est où? Téléphone, il est confisqué par Peppa Pig. Ouais, ça m'étonnerait, je vais aller en bas, je vais le chercher. Bon. Les amis, dites-nous si vous voulez voir un 24 heures avec le grand-père. Avec notre grand-père. Nous, on veut pas. Mais je pense que là, on n'aura pas le choix parce qu'on pourra pas faire d'autres vidéos parce qu'on n'aura plus rien. Même la caméra, je vais être obligé de la cacher parce que sinon, il risque de la prendre quoi. Donc peut-être qu'on va faire un 24 heures avec notre grand-père en anti-technologie. Et les amis, si vous voulez voir ça, n'hésitez pas à vous abonner. Non, pas la caméra. Non! Avec moi! Les amis, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos et cliquez sur la vidéo! Non, mais rends-la! Non, c'est pour moi! Mais rends-la! Désolé, les amis, à plus! Ah là là, les amis, ils n'auront plus rien! Ils n'ont plus rien maintenant!